c'est bien ça. Eh oh, oh, pourquoi il fait contraire? Pour emmener tout le monde par là, vers la bombe. Non. Avec le biais que tu as, sans effet. Mais même, attends, bouge pas. Mm-hmm. Bon, mais qu'est-ce que tu vois comme position derrière? Qu'est-ce qui va t'arriver derrière? Là, tu fais rappel de la rouge. Voilà, la rouge. Bon, par là. Et alors? Et la blanche, là. Rouge, blanche. Alors, tu... Est-ce que tu vois que si tu prends trop plein, la rouge, elle peut venir là? Ah oui, oui, elle peut être derrière, elle peut être masquée. Donc moins plein. D'accord. Et en prenant moins plein, comme tu viens d'ici, tu es obligé de reprendre une sorte de dominante. D'accord. Alors là, tu vois, c'est un peu un rappel automatique, puisque là, compte tenu pour faire le point, il ne fallait pas le forcer. Bon, là, ça s'arrange pas trop mal. Mais comme tu avais peu de distance, tu as forcé trop le coup, et la 2 était... Bon, ça a été, ça allait quand même. Là-dessus, il fallait pas forcer trop le coup. C'est un rappel automatique. C'est à peu près ça. Voilà. Tu as vu que la rouge est venue trop vite, hein? Oui. Là, c'est bien. Tu vois que le bière tombe légèrement. Un petit peu, oui. Tu vois, j'ai réglé les bières il y a deux mois, ça recommence. Ça clique en dessous. Alors, pour jouer un coup de rail. Ça peut se faire. Ou alors un placement pour jouer comme... Moi, je jouerai un placement rouge première, placement sous la blanche. Coup de queue très long. Et pourquoi tu mets des feux à droite, là? Plutôt de l'effet à gauche. Non. Ah, pas trop, alors. Mais non, si tu mets de l'effet contraire, ça va engrainer sur la 3, oui. Et tu risques de ne pas avoir assez de biais. Ah, de perdre la blanche. Voilà, le coup de queue long. Bravo, très bien. Là, j'ai l'angle. Et là, t'es bien. Et là, j'ai maintenant, tu peux prendre. Là, tu peux user du moins plein plus bas. Moi, tu vois, là-dessus, moi, je lèverai légèrement. Pour augmenter. Ben, oui, oui, non, d'accord. Pour augmenter ma rotation de main. Hein. Voilà. Et un peu plus plein. Hein. Et pourquoi de l'effet? Pareil, pour ressortir. Comme tu prends. Oui, mais comme tu prends moins plein, tu peux te permettre de jouer. Ça peut se faire, attention. Hein. Oui. Donne le coup. Hein. Ouais, bien. Tu vois? Tu vois l'effet à droite? Ouais. Tu as mis de l'effet à gauche à la 2. Ah oui, donc. Si tu joues sans effet, tu t'aurais mis la 2 là. Je vais faire rentrer. Je l'avais dit. Le milieu. Ah oui, d'accord. Pourquoi de l'effet à droite? Pour la faire revenir, mais ah oui, comme mais rouge, comme t'es prêt de la 2, ah, ça c'est le système Jean-Marty. Comme t'es prêt de la 2, même si tu prends peu de billes, la 2 rentre toujours. Enfin, ah. Tu prends toujours plein. Oui, mais tu prends plein. Voilà. Bon, t'as perdu la américaine, mais c'est pas grave. Voilà un point embêtant. On pousse la 2 ou va la 3. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que tu jouerais là-dessus? Je pense que j'essaierai de pousser la 2. Oui. Ou va la 3. Oui, mais comme les billes sont très 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 souples, si tu avances la 2, tu risques de couler. Ça risque de couler un petit peu. Oui. Tu vois, c'est un petit point qui paraît pas, mais qui est délicat. Oui. Alors vas-y. Joue ce que tu penses. Tu vois que t'as fait couler. Passer normalement dans la 2, passer de vitesse. Tu vois, c'est un point qui paraît anodin, qui paraît facile, mais tiens. Tu vois un petit peu comment le billard c'est difficile. Hein. C'était un truc comme ça, de la même famille. Oui. Ça ressemble. Hein. Oui, c'est ça. C'est alors, moi, comme je sais que si je donne un coup de queue lent, ça va couler. Alors moi, à ce moment-là, je ferai plutôt dans l'esprit de moins plein, plus bas. Finesse. D'accord. Et finesse rouge pour... Ouais, finesse de blanche. Finesse de blanche. Et comme si tu faisais l'américaine, finesse,
coûte que rapide. Le but, c'est de sortir là. Bah non, c'est de pas justement couler. Ah, tu restes là. Alors, essaye de le faire. Plus bas. Sans, pourquoi alors, tu peux mettre un peu les feuilles peut-être. Voilà. Ben, là, il est parfait. Et là, je joue le coup de queue. Là, tu as donné un coup de queue précis. Tac. Bravo. Ce n'est pas évident. Et des fois, on est obligé de faire appel à un coup de queue, à une mécanique exacte. Ça, c'est pas possible. Il faut aussi lâcher le coup. Il faut le jouer. Il ne faut pas être sous pression. Voilà. Jouer un petit coup, ça c'est vachement difficile. C'est très difficile à faire. Alors là, nous jouons à la libre. Alors moi, qu'est-ce que je ferais là-dessus? Qu'est-ce que tu ferais là-dessus alors? Toi, sur ce point-là, tu as au moins trois solutions. Alors, soit je vais réussir à jouer la rouge et amener la blanche par ici. Dominer la blanche voilà. Alors, dominer dans l'autre sens. Non, non. C'est difficile parce que je vais prendre beaucoup de billes. Ça porte pas. Ou alors faire un piqué. Un piqué, voilà. Bah, c'est pas possible. Donc soit je pousse la rouge le long de la bande et je fais un placement sur la blanche pour l'amener, pour la rappeler le coup d'après. Mais la rouge a tendance à partir. Tu vois, pour moi, ce point-là, c'est un point d'attente. D'accord. C'est-à-dire que, point d'attente, pourquoi? Ce qu'il faut faire, c'est jouer entre deux, entre les deux billes. Très bas. Pas trop. Coup de queue lent. Parce que là-dessus, on ne sait pas très bien ce qu'on va avoir. Hein. Pour toi, quelqu'un qui ne connaît pas le billard, il a les billes, c'est facile. Ah ben non, c'est pas vrai. Alors moi, je joue entre deux. D'accord. Pourquoi entre deux? Pour essayer d'écarter un minimum. Pour avoir le même écartement entre les deux billes, entre la rouge et la bille, la blanche. D'accord. Si tu prends plus plein dans une bille, automatiquement, il va y avoir un écart. D'écartement. Ou alors c'est dans l'idée de la rappeler le coup de... Alors là-dessus, Roger Conti disait, sur ce point-là, tu joues entre deux, coup de queue très lent, il est fort possible que tu aies un éventail, non? Un éventail, oui, mais tu vas être près des billes. Ah, tu pourras faire un petit piqué. Je peux avoir une position. Alors, joue entre deux. Oui. C'est pas toujours facile. Alors moi, tu vois, là-dessus, moi, je ne boucle pas. Ah, d'accord. Pour avoir une meilleure vision, je vais... Entre deux, très bas, coup de queue lent. Alors, et là-bas, tu peux desserrer ta main droite, la queue, la 504, la 514 permet ça. Tout le poids est à l'avant, c'est très bien. Entre deux, doucement. Regarde. C'est la rouge. Hein. Mais moi, heureusement, comme tu as donné un coup de queue lent, regarde maintenant la rouge, tu peux t'en servir. Je peux y aller dessus. Si tu as la même position en ayant écarté les billes, alors là, tu peux être dans le baba. D'accord. Est-ce que là, maintenant, je peux me servir de la blanche? Parce que je suis près d'elle, grâce au coup de queue lent. Là, je peux avancer un peu la blanche et chercher un appel devant. Non, non, parce que, comme je suis près de la 2, de la blanche, que je prenne, système Marty, que je prenne fin ou plein, c'est pareil. Pratiquement pareil. D'accord. Pas 100%. Là, ici, tu prends finesse. Tu vas quand même prendre, sans le vouloir, de la bille, parce que tu es près de la 2. Oui. Mais elle ira pas loin. Encore une fois, grâce à la 514, coup de queue lent. Et là, tu vas pouvoir te servir de cette blanche. Voilà. Toi, sur ce point-là, non, tu aurais même pu te permettre de prendre plus plat. C'est ce que j'allais dire. Cette bille aurait pu être là. Mais, bon alors, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Du coup, je suis embêté. Ouais, t'es embêté, oui, je m'en doute bien. Alors, si je joue plein, je vais l'emmener là, derrière la rouge. Si je lâche un petit peu de billes, ou si j'essaye de l'effet, je peux pas faire grand-chose de mieux. Soit elle va être encore plus loin, soit si je mets de l'effet à droite, je vais la faire rentrer un petit peu, mais... Dis-toi bien que l'effet que tu vas mettre, ça va pas servir à grand-chose. Non. Donc je ferai un placement sur la rouge. Tu peux pas? Moi je jouerais. Là, tu vas dans le... Placer la rouge et faire un rappel de l'eau. Ça peut se faire. C'est sûrement mieux. Ouais. Tu vois tu vas les bien paquer et puis... Allez. Évidemment, il y aurait cette formule là. Alors on peut jouer... De faire une bande. Mais tu es prêt. Donc, non, mais une bande, mais on rentre la 2, on demande. Ouais. Tu vois, dis-toi, et pourtant. Petit point d'attente.
si on joue le passage. Moi là-dessus, toi, ce que je fais, moi, je fais un piqué très vertical. Pourquoi ? Très vertical sur la blanche, bien sûr, piqué sur la blanche. Pour ne pas qu'elle roule beaucoup, pour la laisser grosse dans le coin, elle va faire ça et ça peut-être. Et un éventuel placement sur la rouge. Mais très vertical pour pas qu'elle roule cette 2. Peut-être que tu peux avoir un coup d'une bande comme ça ou comme ça. Très vertical. Pas pour un rappel. Peut-être, parce qu'on ne le sait pas. D'accord. On ne sait pas ce qui va se passer. Je prendrai un peu. Oui, c'est pas mal. Et peut-être un peu trop vertical. Hein. Oui, bien. Parfait. Alors là, tu as la blanche. Tu as un rappel de rouge. Moi, et si tu n'avais pas. Le coup est parfaitement joué, hein, je peux te dire. Et si tu n'avais pas eu la rouge, peut-être que tu avais la blanche. On peut jouer un coup d'une bande sur la blanche. Bah, tu peux jouer un coup d'une bande. Mais l'arrivée sur la rouge. Pour après déborder la rouge, c'est plus délicat. Ah, on ne peut pas le savoir. C'est impossible. Ouais, c'est trop difficile. Même les plus grands joueurs du monde. On ne peut pas dire je vais arriver sur le. Même les plus grands joueurs du monde, ils vont pas parier leur tête avec la guillotine dans la cour, que là-dessus, sur un coup d'une bande, ils vont arriver là. C'est pas vrai. C'est impossible. Personne ne va parier. Même Coleman, même Marty, même Dielis ou n'importe quoi. D'accord. Donc rappelle-le. Là, tu as un rappel parfait. Pour reprendre le tiers. Alors, vas-y. Tu es content ? Il manque un petit quelque chose. Ah non, tu peux pas savoir, c'est pas vrai. Un petit peu plus fort. Voilà le problème des joueurs, c'est qu'ils veulent jouer. Alors toi, tu voulais mettre peut-être la rouge, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas mal. C'est pour ça que toi, les leçons que je te donne, il faut faire un désenchaînement pour être en face de beaucoup de toutes sortes de points, quoi, de familles de points. Alors voilà, moi pour moi, le point était parfaitement joué. Alors qu'est-ce que tu fais là-dessus ? Je pense que j'essaierai de jouer le piqué sur la blanche. Oui. Et de ramener les deux, mais c'est délicat. Ah non, 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 ah non, jamais. Même principe, très vertical, pour pas que cette bille-là, cette bille blanche, elle aille par là. Très vertical, ce qui va te permettre d'arriver assez vite sur la 3 pour ouvrir les angles, pour avoir un rappel. Donc il faut qu'on ait de l'air. Il faut mettre de l'air, très vertical. Pour pas que cette bille numéro 2 aille par là, surtout pas. Voilà. Parfait, monsieur. Tu vois, maintenant, tu as une 3 grosse. Mm-hmm. Alors voilà, alors maintenant. Bon, la blanche, tu ne peux pas jouer. Alors maintenant, la rouge. Alors attention, celui-là. Plus, encore une fois, tout à l'heure, ce que je t'avais expliqué, plus on est près d'une bande, plus on est tributaire d'un placement parfait. Forcément, si tu mets la rouge là, alors là, en gros. Mais là, imagine par exemple que tu aies mis la 3 ici. C'est les angles, c'est ouvrir les angles, Roger Conti, il était fort. Mais là, tu as. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire ? Quel est. C'est difficile de faire rentrer cette rouge. Je pense qu'au mieux. Elle ne rentrera pas. Elle va aller par là. Je ferai le point. Je ramène la rouge dans le tiers. Je ramène la rouge dans le tiers quand même. Oui, mais surtout. Je vais passer par la bande. Voilà. Minimiser le fait que la rouge. Surtout ne pas caramboler par là. Te retrouver ici, par exemple. Ah oui. Faut absolument caramboler par. Quitte à mettre la rouge par là, on s'en fout. C'est ça qui est important. Et comme tu vas donner une certaine force pour rentrer la rouge, comme elle a 5 mètres à faire, 5 mètres, 5 mètres et demi, automatiquement, tu vas prendre de la bille, bien sûr, et tu vas donc donner une certaine force. En prenant en bas, tu vas caramboler par là. Je vais même le pousser. Voilà, alors ne sois pas esclave de la bille numéro 2. Surtout, quitte à prendre trop plein, mais carambole ici. D'accord. Bon, en prenant, si tu prends de la bille, bien sûr, sans prendre plein, tu ne vas pas caramboler par là. Donc, prends de la bille et surtout, ne laisse pas la 2 en panne. Et sans effet. Hein. Donne le coup. Hein. Bravo, monsieur. Voilà. Bon, alors t'as joué un peu fort. Bon.
Mais même ça, c'est pas foutu. Ça joue un peu fort. Continue, il faut. C'est toutes sortes de familles de points qu'il faut que tu sois de. Qu'il faut que tu joues. Alors. Alors on peut jouer. Je connais pas le nom, mais un rappel de rouge en une bande. C'est trop difficile. Et un rappel de blanche. Ah, c'est trop dur. D'accord. Ça peut se faire. Moi, un truc. Bien que. Il y a aussi un abruti. Ah, bah, voilà. Moi là-dessus, qu'est-ce que je fais? Moi je fais un rappel, sans effet, sans trop forcer. Oui. Et tu essayes de grouper les billes ici. Alors la blanche, elle va revenir sur la rouge? Parce que cette solution-là, tu sais, Roger Conti prenait toujours les solutions les plus simples. La blanche va revenir sur la rouge là-dessus. Ah, attends, bouge pas. Moi je crois qu'il faut que tu fasses. Il faut approcher ta main gauche. D'accord. Ah oui, bien sûr, mais moi pour moi, la rouge, jouer une bande à rouge, c'est plus difficile que de jouer ça. Où est la faute? C'est pas allongé. Non, c'est trop plein. Trop plein? Ah, trop plein, oui. Trop plein. Un truc comme ça. Oui, c'est pas mal. Un truc comme ça. Enfin, elle rentrait très bien, d'ailleurs. Elle rentrait très bien parce qu'il y a beaucoup de biais, mais la rouge est loin. Mm-hmm. Alors là-dessus, moi, tu sais ce que je fais. Je prends un peu moins plein. Oui. Et avec de l'effet. Sans effet. Sans effet. Un peu moins plein et ne force pas. Vas-y, je te montrerai la prise de billes. Pour moi, c'est un peu trop plein. Voilà. Force pas. C'est pour ça que je t'ai dit ne force pas, parce que comme tu prends moins plein, tu vas quand même faire le point. Alors, je suis surpris que la blanche rentre quand même. Parce que tu es prêt, relativement prêt à deux. Eh oui. Voilà. Ça change pas grand chose. Admettons. Oui, t'es plus grand que ça, là. Si tu étais là, faut prendre plein, mais là t'es prêt, t'es relativement prêt, prends-moi plein, et il va y avoir une harmonie du point, quoi, de trop plein, trop plein, trop plein, trop plein, voilà, pas mal. Bravo, monsieur. Tu forces trop. Encore, oui. Bah, j'ai la bonne force. Comme t'es pas, comme t'es... Forcément, mais moi j'ai la trouille là-dessus. J'ai la bonne force pour la une, si je force moins... Ah, en prenant moins plein. Ah, c'est ça, oui. Prends un peu moins plein. Et ne force pas. D'accord. Parce que ça roule beaucoup ici, en plus. Prends moins plein. Okay. Et un peu plus bas, voilà. Coup de collant. Bravo, monsieur. Un peu trop plein. Ah, et pour rentrer la 2, il faut lâcher... C'est là qu'on voit que le billard, c'est difficile quand même. Difficile le billard. Ouais. C'est pour ça, malheureusement, il y a de moins en moins de joueurs parce que c'est un jeu très difficile. Et, alors, et pourtant, ça paraît un point facile quand même. Pourquoi pas d'effet pour essayer de faire rentrer mieux cette 2? La 2 rentre très bien. Vas-y. Prends un peu moins plein. Je vais te montrer la prise de billes. Voilà. Tranquille. Enfin, c'est bon. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est des billards qui roulent beaucoup. Mm-hmm. Plus le billard roule, le Roger Conti disait, plus c'est difficile. Mm-hmm. Si ça roulait un peu moins... Oui, on pourrait forcer un peu plus le coup. Mais... Voilà. Tiens, alors je vais te faire... Oui. Joue ce point et joue long. N'essaye pas de faire le point. Ah, oui, d'accord. Voilà, tu vas voir. Attends, je te donne la prise de billes. Plus bas. Ne fais rien. Regarde. C'est mieux dosé. Ne fais rien. Ah. C'est mieux dosé. Parce que la 514, justement, c'est ça, le poids dans les flèches. Il y a un monsieur d'Espagne, monsieur Chanchi, il attend sa queue de billard. Donc, monsieur Chanchi, s'il va regarder la leçon, voilà l'avantage d'avoir du poids dans les flèches. Alors, ne fais rien. 1 et 2. C'est le poids qui fait le travail pour toi. Tu vas forcer un peu.
Ça va parce que t'as un bon barrage. Continue. Là, tu as peur, là. Un coup de finesse. Ouais, ouais, mais attends. Vas-y. C'est très fin, hein. Tu as pensé à donner un coup de queue très long? Oui. Pour pas qu'il y ait choc. Voilà. Bravo, très bien. Pour écarter les billes. Voilà, très très bien. Nicolas. Bah, oui, et plus bas. Coup de queue long. Ah. Moi, tu vois, là-dessus, je ne boucle pas. Là, pour avoir une très bonne vision. Alors, pourquoi bas? Pour freiner la une? Oui, voilà. Bravo, coup de queue long. Bravo. De toute beauté. Sinon, si tu prends un petit, si tu donnes un coup de queue un peu rapide, et si tu prends trop plein, tu peux être masqué. Alors voilà. Alors maintenant le problème, c'est de reprendre, de s'approcher de la petite bande. C'est là où nous sommes tranquilles. Le tiers du billard, encore le tiers, toujours le tiers. Alors qu'est-ce que tu fais là-dessus? Encore une fois, plusieurs solutions. Je suis trop loin pour jouer le rappel de la blanche tout de suite. Si j'étais plus près, je pourrais essayer. Il ne faut... Alors attends, pour les internautes, le billard, Roger Conti a dans son livre, le billard, ici, c'est la prairie. Là, c'est le tir du billard, les bergeries. Il faut toujours... que essayer d'avoir les billes près de la petite bande. Parce que près de la petite bande, il y a la possibilité de faire beaucoup de rappels en trois bandes, en deux bandes, en une bande. Donc, tu me dis, à le rappel de blanche, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écartes de la petite bande. Tu t'en vas. Moi, ce que je veux, je vais essayer de trouver une solution comme pour revenir par là tout de suite. Fabrice Leroy, qui prend des leçons avec moi aussi, à chaque fois c'était pareil, il avait l'occasion de reprendre le tiers. Non, rappel, alors il partait par là, dans le désert. Alors? Donc à ce moment-là, on joue la rouge, et on se fait un rappel rouge. Oui. Donc on pouvait essayer de faire un rappel. Alors, deux bandes. Placement sur la rouge, placement pour avoir quoi rouge. Pour avoir, voilà, un rappel en long. Donc soit vers le coin du billard, soit en une bande, pour ramener les billes après dans le tiers. Si tu te fais un placement, si tu fais un placement sur la rouge pour la rappeler en bande, oui. Ça demande de la précision. D'accord. Tu risques de ne pas avoir, quand on ne peut pas faire autrement, oui. Parce que moi je préfère un rappel en deux bandes. Ah, il y a plus de chances de d'avoir un placement correct. D'accord. Alors moi là-dessus, ce que je fais, tu vas être surpris, je jouais relativement finesse de rouge, maximum d'effet à droite, pour avoir un rappel en une bande, en deux bandes. Ah oui, et dans le coin opposé en fait. Bien sûr. Ah oui, moi j'aurais changé. Non. D'accord. Alors finesse de rouge, oui. Enfin finesse, grosse finesse. Il faut quand même de l'air. Tu mets de l'air. Et là, moi ce que je veux, c'est un rappel en deux bandes. D'abord. Et ne boucle pas là-dessus. Voilà. Plus plein quand même, peut-être. Coup de queue lent. Trop plein. Maintenant, elle ne rentre plus. Il faut lâcher un peu de billes. Ah, bah non, mais même, elle ne rentre pas. Elle peut rentrer. Si on lâche des billes, elle est plus difficile. C'est plus délicat. Regarde bien, si tu avais pris plus fin, tu aurais mis ça. D'accord. On va le remettre. Voilà. Alors là, tu peux la prendre. Là, tu sais, c'est pas un peu facile. Hein. On va le mettre là. Alors là, si tu veux rentrer la 2, la rouge, si tu veux qu'elle prenne la grande bande, il faut prendre moins plein. Oui. Donc, moins plein, très bas. Sinon, tu passes là. Et on essaye d'arriver sur la blanche de plante pour l'emmener. Voilà. Et surtout, donne un coup de queue rapide. Hein. Parce que comme tu vas prendre, peu de billes sur la rouge, elle peut rester en panne. Et si tu veux que la rouge, s'il veut faire le point correctement, bah, il faut mettre de la rotation dans là, hein. Puisque tu prends moins plein. Moi, je vais te montrer la prise de billes, moi, je pense. Eh, c'est trop plein. Voilà. Un peu plus plein quand même, c'est moi qui exagère. Voilà. Bravo, monsieur.
Bravo. Tu es content de ça? Oui. Oh, c'est parfait. Ah oui. Je pensais, je suis même surpris. Oh, c'est magnifique, c'est formidable. Toujours pareil, les billes sont très souples. Le billard est vraiment un rendement correct. Grâce à mes produits, voilà un tapis qui a quand même pratiquement un an. Et grâce à mon Magic Slide, là on a le rendement d'un billard neuf, pratiquement. Alors voilà, alors maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Alors... Moi je sais ce que je ferai. Je suis droitier, donc je vais pas essayer de prendre l'américaine pour un gaucher. Ah oui, non. Non. Là, faut pas avoir, excuse-moi du terme, la prétention d'avoir l'américaine. D'abord, pourquoi? Parce que quand on... Lorsque nous sommes loin des billes, la prétention n'existe pas. On ne peut pas. Moi, je sais ce que je vais faire. Ce que je ferai. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Du coup, dans mon idée, je joue la rouge pour qu'elle fasse une bande et qu'elle remonte. Exact, voilà. Exactement. Et je vais aller sur la blanche et peut-être essayer de dépasser la blanche si c'est possible. Donc, trop de prétention. D'accord. Amicalement, je dis ça. Oui, bien sûr. Moi, le grand ennemi au billard, c'est d'avoir la 2 et la 3 collées à une bande. D'accord. Alors ça, alors là, faut toujours dégager une bille. Moi, ce que je veux, c'est coup de queue très long, à plat, très bas. Et moi, tu prends de la bille pour la ressortir et tu restes le plus près possible de la 3. Si je ne fais rien. Billes, hein? Je vais emmener la rouge sur la blanche aussi. Rouge première. Si je prends trop de billes. Oui. Je vais envoyer la rouge sur la blanche. Ah non. 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 Prends pas trop de billes. Ah oui, on est d'accord. Faut que je faut éviter le contre. Voilà. D'accord. Tu joues très bas. Voilà, coup de queue lent. Il est parfait, monsieur. Il est parfait. Si tu avais pris un tout petit peu moins plat, mais ça on ne peut pas le savoir, nous sommes trop loin. Mais là, tu vois que tu peux jouer. Oui. Alors voilà, alors maintenant. Ça se complique. Ça se complique. Voilà un point, tu vois, quelqu'un qui a jamais joué au billard dit oh ben il a les billes, c'est facile. Ah, alors, oui, tu vois. Alors, parce qu'on a un risque de coller. On a un risque. Alors, sans être prétentieux. Moi, je sais que je pense être capable de le faire. Je joue la rouge première et je peux prétendre quand même à remettre la rouge ici pour faire un rappel. Parce que là, dans le billet qu'il y a ici, on peut se servir de la blanche peut-être. Alors, moi, je joue la rouge, coup de queue. Oui, et bon. On reste sur la blanche. Voilà, tu fais le point. Je prendrai moins plein, moi, peut-être. Encore moins plein. Voilà. Bravo, regarde. On est sorti de la bande. Et maintenant, tu peux te servir de la rouge. Déjà ? Bah oui. Ou alors, tu peux jouer la blanche aussi. Alors. J'ai du mal à croire que tu puisses faire le rappel directement sur la rouge. Tu peux te servir de la blanche, attention. Oui. Alors, petit point, une bande, ou direct. Mais surtout, donne quand même le coup de queue pour que cette bille ressorte. Pour m'en servir, jouer beaucoup plus fin. Pour ouvrir l'angle, parce que je joue la blanche, d'accord, tu mets un petit peu d'air pour pouvoir éventuellement faire le rappel de la rouge, mais ouvrir l'angle. Ah oui, que moi j'aurais joué finesse de blanche. Non. Tes billes seraient restées. Non, je veux ressortir toujours les angles ouverts, ouvrir les angles comme Roger Conti. Ah oui, je voilà. Je suis tout à fait à voir. Ouvrir, mets la blanche ici, peu importe, et tu mets de l'air pour sur la rouge, pour pouvoir la rappeler. D'accord. Si tu es trop près de la 3, tu ne pourras pas la rappeler. Voilà. Alors, à toi, moi, comme je suis près de la 2, je lève derrière. Bon, ouais, voilà. Voilà. Je joue au défi contraire, moi, là. Hein. Là. Sans effet. Et donne le coup, surtout. Hein. Voilà le piège. Ouais. Si tu joues plus fort, tu as ça et ça. Oui, d'accord. Rejoue-le. Ah, oui. Moi, tu vois, je crois que le billard, ce n'est que des pièges à éviter. C'était ça à peu près. Un peu plus bas.
Voilà, mets de l'air. Mets de l'air. Voilà, regarde. Tu as la blanche. Même la rouge. Tu as la rouge. Ah, la rouge, ça va pas là. Qu'est-ce que tu jouerais, toi? Un rétropassage. Ah non, non. D'abord, il faut que tu viennes ici pour juger. Sur la rouge, voilà. Celle-là. Moi, je joue pas la blanche, la rouge. Ah oui. Ça se défend, ça se défend. J'ai peur, moi j'ai peur de faire le rappel de rouge. Ah, qu'elle ne revienne pas. J'ai peur d'avoir une sorte d'éventail. Ça peut se faire, tout peut se faire. Non, non, mais faut jouer la sécurité. Moi, toi, je suis sur ce point-là, comme je suis près de la 2, près de la 2, donc je suis sûr de prendre du plein. Comme le billard est super accordé, il marche très bien avec mes produits, la blanche, elle va rentrer, si je mets des faits contraires. Quitte à jouer une bande. Et moi je boucle là-dessus. Hein. Trois bandes, on est d'accord. Bien sûr, trois bandes. Attends, je vais te montrer la prise de billes. Ouais. Voilà, même plus plein. Plus plein, voilà, plus plein et fort. Ah, ça aurait pu être. Bon, ça va quand même. Oui. Mais ce sont des points intermédiaires qu'il faut absolument. Bah. Et. Tu as les billes dans le tiers. Ah oui, oui, oui. Tu as les billes dans le tiers. Tu aurais pu jouer la rouge aussi, mais cette bille, cette rouge partait par là-bas. Il fallait lâcher de la bille. Ah oui, il fallait de la... Ça pouvait se faire aussi. Hein. Alors voilà. Ça, ce sont des points, des familles de points, tu vois. Il faut absolument, c'est les enchaînements, bien sûr. Alors, plutôt direct ou plutôt deux bandes? Ah oui, mais attends, moi la blanche m'intéresse. Hein. Ah, toujours la blanche? Ah bah oui, puisque si tu veux, si tu joues la rouge, bon, ça peut se faire aussi, mais tu t'écartes de la petite bande. Oui. Tandis que là tu as un bon billet pour reprendre les billes près de la petite bande. Donc en faisant descendre un peu la rouge, parce que je vais arriver assez vite. Alors une bande, oui, sur la rouge d'accord, c'est une bande ou deux bandes?